avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. À l'annonce des propositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça. Il sait mettre l'ambiance. Et puis, on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Et coup d'envoi de ce match. Allez Darren, un petit pronostic. Qui sera l'homme du match? Tu dirais Jan Vertonghen, parce que c'est un défenseur très polyvalent. Peu importe où il joue, il empêche toujours les attaquants de passer. Oui, on est exactement sur la même longueur d'onde. Ali qui cherche à construire. Donc il va vite sur ce côté. Il progresse encore. Ça joue beaucoup sur les ailes, ça peut être une solution. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt intelligent. Ça joue long. Il y a danger. Il peut frapper. Voilà une contre-attaque by the book, comme on dit. Une passe pas assez appuyée. Il surgit, il va au bout. Magnifique. Score dès les premières minutes de cette rencontre. C'est joué long. Dans le dos de la défense. Le bon jaillissement. Winks. C'est joué dans la profondeur. Et ils essaient de repartir de derrière. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Il mène donc 1-0. Le ballon piqué sur le côté. C'est parfait, magnifique. Et le ballon continue de lui coller au pied. Il frappe au but. Oh, c'est loin du cadre. Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Mais pas là. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. C'est joué long. C'est joué long. Mais il paraissait bien seul aussi. C'est joué long, attention. Allez au bout. Il est passé. Oui, il peut frapper là. Oh, quel bel arrêt. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Ce sera le premier corner du match. Et le danger est écarté. Tout en touché. Il a pris tout le monde de vitesse. On la frappe. C'était une grosse occasion quand même. Je me demande encore comment le gardien l'a arrêté. Un long ballon vers l'avant. En retrait pour repartir proprement. Il relance côté droit. Il cherche la profondeur. Bien donné, plein axe. Winks. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. Tottenham qui mène donc 1-0. Mais attention, tout est encore possible en seconde période. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Passe en retrait vers son défenseur. Le jeu repart vers la droite. Et il perd l'équilibre. Ça sprint côté gauche. Dans la profondeur. Oh, le duel. Il est sur le côté. Et un bon centre dans la surface. Et la défense se donne de l'air.
Il va provoquer. Ali. Attention! Ça passe juste à gauche. Et je crois que le gardien sait qu'il n'était pas sur la trajectoire. La profondeur, bien vu. C'est dommage qu'il ait gardé le ballon comme ça, alors qu'il avait des solutions de passe. Il écarte le jeu. Dans l'espace. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. L'horloge tourne, mais il ne faut pas baisser les bras. Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Lo Celso. Oh, attention! Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Il allonge le jeu. Alors qu'on est à la 80e minute de cette rencontre. S'il le trouve, il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est vraiment dommage, il le manque toujours un petit quelque chose. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Et ils essaient de repartir de derrière. Allez, plus que quelques instants à tenir. Mais attention, le temps file, il faut mieux utiliser le ballon. Il y a peut-être un coup à jouer. Rien à dire, c'était propre. Quelle inspiration. Peut-être une occasion pour la Mela. Long ballon dans le sens du jeu. Et l'arbitre siffle la fin du match. Ils auront douté jusqu'au bout, mais cette victoire 1-0 suffit largement.